Bonjour, bienvenue dans l'émission Jeunesse porte le flambeau. Je m'appelle Kairon et j'ai 12 ans. À mes côtés se trouve Chiara, elle a 10 ans. Nous sommes de l'église adventiste du 7e jour à Fataoa. Kairon et moi allons vous délivrer le premier message d'une série de 6. Aujourd'hui, le message a pour titre L'histoire de la création du monde. Il y a longtemps, le monde n'avait pas de forme. C'était une masse noire dans l'espace. Imaginez ce que cela devait être. Pas de lumière du tout. Pas d'herbe ni de fleurs. Pas même de saleté. Pas d'animaux. Pas même un petit insecte. Et pas d'air pour respirer. Nous ne tiendrons pas longtemps dans un endroit comme celui-là, n'est-ce pas? Mais quelqu'un est venu dans ce monde-là. Quelqu'un qui est si fort qu'il peut aller partout sans mourir. Quelqu'un qui est si puissant qu'il peut faire quelque chose de magnifique à partir de rien. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Quand notre monde n'était qu'une masse informe et vide, Dieu, le Père et son Fils Jésus ont décidé d'en faire quelque chose de très spécial. Ils discutèrent de ce que cela pourrait devenir et quel genre de plantes et d'animaux pourraient y vivre. Ils parlèrent aussi des créatures qui aimeraient y vivre. Puis Jésus commença son œuvre de création. Cela ne lui prit pas beaucoup de temps. La Bible dit, en 6 jours, le Seigneur fit les cieux et la terre. Le premier jour de la création, Jésus fit la lumière. Il commença par la lumière parce que toute chose a besoin de la lumière. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Quand Jésus dit, la chose arrive. Quand il dit que la lumière apparaisse, l'obscurité disparaît. Maintenant, la lumière existe. Une lumière éclatante sur l'eau sans fin. La Bible dit, Dieu appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que fit Jésus le premier jour de la création? Oui, Jésus fit la lumière le premier jour. Le second jour, Jésus fit une autre chose dont tout être vivant a besoin. La Bible dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux en deux masses. Et cela fut ainsi. Quand Jésus parle, l'eau qui couvrait la terre se mit à s'élever. S'élever jusqu'à former une couche floconneuse blanche au-dessus de la terre. Entre les eaux d'en haut et celles d'en bas. Jésus mit de l'air pur et frais. Cet air forme l'atmosphère de notre terre. La Bible l'appelle ciel. La Bible dit, il y a un soir et un matin. Ce fut le second jour. Que fit Jésus le second jour? Oui, Jésus fit le ciel ou l'atmosphère le second jour. Au commencement du 3e jour, il n'avait rien à voir. Rien que l'eau et le ciel au-dessus de l'eau. Puis Dieu dit, que la terre sèche paraisse. Et cela se réalisa. Comme Jésus parlait, la terre commença à sortir de la mer. Pas juste une petite île, mais tout un continent de terre. Mais la terre était nue. Mais Jésus avait encore des choses à faire le 3e jour. Et Dieu dit que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences et des arbres fruitiers dans chaque espèce portent ses propres graines. Et cela se réalisa. J'aurais bien aimé voir cela au moment où Jésus prononçait ces paroles. Des brins d'herbe sortant de terre et des fleurs de toutes sortes et de toutes couleurs, des arbres s'étirant hors du sol, puis quelques instants plus tard, étendant leurs hautes branches vers le ciel. Jésus créa toutes choses si magnifiques. Je me demande comment il a pu penser à tant de variétés de plantes. Regardez juste les fleurs. Chacune d'elles a sa propre forme, ses propres couleurs et sa propre odeur. Et les arbres, ils nous donnent de l'ombre et de l'abri. Ils rendent notre monde merveilleux.
Il nous donne aussi de bonnes choses à manger. Pensez aux différents légumes que Jésus a faits. Lequel préférez-vous? C'est vrai, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les légumes, mais ils sont si bons pour la santé. Jésus a fait des plantes de différentes tailles, de différentes formes et de différentes couleurs. Il fit tout ça le troisième jour. Je pense à deux mots qui résument ce que Dieu a fait le troisième jour. L'un commence par T et l'autre par V. Quels sont-ils? Oui, Jésus a fait la terre et la végétation le troisième jour. Le quatrième jour commença dans la nuit, juste comme les autres jours. D'abord vient le soir du quatrième jour, puis une petite lumière enveloppe la terre. Mais Jésus avait projeté plus de lumière. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour et la nuit. Au moment où Jésus parlait, une glorieuse lumière apparut derrière les montagnes. Elle brillait comme une boule de feu et illumina tout le ciel avec de brillantes couleurs. Ce fut le tout premier lever de soleil. Le soleil s'éleva haut dans le ciel. Il brilla gentiment et chaleureusement, donnant vie et force à l'herbe, aux fleurs et aux arbres. Jésus mit aussi d'autres lumières dans le ciel. Au matin du cinquième jour, le monde était silencieux. Pas de bruit, mais uniquement le bruit des vagues léchant la plage et le vent sifflant dans les arbres. Puis le calme s'arrêta. Et Dieu dit que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Cela aurait été amusant de regarder Jésus alors qu'il remplissait les eaux et le ciel de créatures vivantes. Je me demande ce qu'il a dû faire en premier. Peut-être qu'il les a fait tous en même temps. Les tout petits poissons, les énormes baleines. Poissons et créatures marines de toutes tailles, de différentes formes et couleurs. Et les oiseaux alors, tant d'espèces d'oiseaux, chacun spécial et différent. Comment Jésus a-t-il pensé à tous? Comment a-t-il enseigné à chaque oiseau le chant qui lui est propre? Imaginez les oiseaux appréciant leur jolie maison. Imaginez-les choisissant exactement l'arbre qu'il leur faut pour construire leur nid. Imaginez leur magnifique pelage étincelant au soleil. Je suis en train de penser à deux choses que Jésus a faites le cinquième jour. Cela commence par O et P. De quoi s'agit-il? Oui. Jésus a créé les oiseaux et les poissons le cinquième jour. Le sixième jour, Jésus se promena dans le merveilleux monde qu'il avait fait. Je pense que les oiseaux devaient tous entonner leur plus beau chant pour leur Créateur. Puis, Jésus s'arrêta et les oiseaux firent silence. La Bible dit, Dieu dit, que la terre produise toute espèce de bêtes. Animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa, Genèse chapitre 1, verset 24. Comme Jésus a dû s'amuser le sixième jour, il fit des animaux avec de magnifiques pelages, des animaux avec d'intéressantes décorations sur leur tête, des animaux qui aiment grimper aux arbres et des animaux qui vivent sur le sol. Jésus fit chaque animal unique et spécial. Mais Jésus n'avait pas fini. Il restait encore une espèce de créature à faire. Ils étaient les plus importants de tous. En fait, Jésus avait créé le monde entier juste pour eux. Savez-vous de quoi ou de qui il s'agit? Qu'est-ce qu'il manque à cette création? Quand tout fut prêt, Jésus dit, « Faisons l'homme à notre image. » Selon notre ressemblance, Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Jésus fit les êtres humains à son image. Il nous a fait comme lui. Et c'est parce que l'homme était si spécial que Jésus l'a fait d'une manière spéciale. Savez-vous comment Dieu a fait l'homme? A-t-il parlé aussi?
Non, il a utilisé ses mains. La Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Genèse chapitre 2, verset 7. Imaginez Jésus choisissant une mode de terre. Imaginez-le modelant avec précaution un homme, sa tête et son corps, puis ses bras et ses jambes, ensuite les mains et les pieds, et enfin les doigts et les orteils. Quand Jésus eut terminé, il souffla dans l'homme en terre et l'homme devint vivant. Dieu fit aussi une femme pour l'homme. Elle était la plus belle créature de toute la création. Les noms de ces deux premières personnes étaient Adam et Ève. Adam signifie « homme » et Ève signifie « vie ». Deux mots pour les deux choses que Jésus avait faites le sixième jour. L'un commence par « A » et l'autre par « P ». Lesquels sont-ils? Oui, Jésus a fait les animaux terrestres et les personnes le sixième jour. Alors que le soleil se couchait à la fin du sixième jour, un magnifique coucher du soleil éclaira tout le ciel. Ce fut le tout premier coucher du soleil d'Adam et Ève. Jésus acheva au septième jour son œuvre de création. Mais le septième jour, il fit quelque chose de spécial. La Bible dit « Dieu acheva son œuvre et il se reposa au septième jour ». Jésus se reposa de toute son œuvre. Il ne se reposa pas parce qu'il était fatigué. Dieu ne se fatigue jamais. Mais son travail de création était terminé. Et il se reposa de son travail. La Bible dit aussi, « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. » Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Genèse chapitre 2, verset 3. Cela signifie que Jésus avait fait du septième jour un jour spécial et saint. C'était un temps spécial pour que ces personnes puissent passer du temps avec lui. C'était un temps pour eux pour se rappeler de quelque chose de très important. Que Dieu avait fait la terre et toutes choses qui y est contenues. Voilà, chers amis, comment Dieu a créé le monde et les êtres humains. Nous ne descendons pas des singes. Nous avons été faits à l'image de Jésus, à l'image de Dieu. Pour conclure, ce récit de la création se trouve dans la Bible. La Bible est remplie de merveilleuses histoires et de versets. À chaque émission, nous apprendrons un de ces versets. Pour aujourd'hui, il s'agira du premier verset de la Bible qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ce verset se trouve dans le premier livre de la Bible, la Genèse. C'est le premier verset du chapitre 1er. C'est pourquoi nous disons Genèse 1:1 ou Genèse chapitre 1, verset 1. Je vous invite à lire avec moi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Quand Dieu a-t-il créé les cieux et la terre? Au commencement. Qu'est-ce que Dieu a créé au commencement? Les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux sous le ciel et la terre et tout ce qui y est contenu. Oui, Jésus qui est Dieu, Jésus a créé le monde. Aujourd'hui, nous avons appris un verset qui dit qu'il a créé le monde. Où cela est-il écrit? Dans Genèse chapitre 1, verset 1. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à garder sa parole dans notre cœur. Amen. Remercions le Seigneur pour ce message. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour toutes ces choses si magnifiques que tu as créées, pour nous montrer combien tu nous aimes. Nous te sommes reconnaissants pour cette œuvre.
et combien nous te rendons gloire pour tout cela. Et nous sommes contents de garder cette vérité dans notre cœur. Pour toutes ces grâces, nous te prions, Seigneur Jésus. Amen.